tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo d'ouverture de 12 boosters 5 Surprise Mini Brands avec la collection Disney Store. J'étais vraiment impatient, comme ça je vais pouvoir compléter mon magasin de jouets en arrière-plan. On fera une petite visite en fin de vidéo avec une mise à jour des rayons. Alors, il faut savoir qu'il y a 50 objets à collectionner. Ensuite, vous avez les univers Disney, donc Pixar, Marvel et Star Wars. Alors moi, je suis vraiment impatient pour Disney et Pixar parce que Marvel et Star Wars, je ne suis pas du tout fan. Bon, après, dans le magasin, ça fera cool quand même. Mais ce que j'ai vraiment hâte, ce sont les poupées classiques, les Animators aussi en petite. Et il y a aussi pas mal d'autres choses comme des figurines Mickey, Minnie et compagnie. Allez, c'est parti. 5 portions, donc 5 surprises. Il y a même des étagères, des présentoirs Disney Store. J'aimerais vraiment en avoir, ça m'éviterait d'en construire dans mon magasin. Il y a aussi des sacs shopping, vous allez voir. C'est trop bien. Allez, c'est parti. Je suis trop impatient. Je vous mets le petit lien Amazon si vous voulez les commander comme d'habitude. Alors, ça commence fort parce que j'avais dit pas de Marvel. Et on a une figurine Toy Box. Je connais cette collection, je la fais. Mais au niveau Disney classique et Pixar. Et là, c'est Captain Marvel. C'est super bien fait, vous avez une figurine. Par contre, les objets supplémentaires, c'est un imprimé. Voilà. Mais après, ça fait un effet d'optique. Et à l'arrière, vous avez d'autres personnages, Spider-Man et Wolverine. Pas Marvel, pas Star Wars. Punaise, trop bien. J'avais dit que je voulais une Animators. Et là, vous avez Anna de la Reine des Neiges. Waouh, c'est super bien fait. Regardez-moi les détails de la boîte, comme les originaux. Je suis trop fan, ça va être trop bien à présenter. J'espère en avoir plusieurs et même des doubles, ça me dérange pas. Oh, la liste. Alors par contre, je vois encore du Marvel. Avec... Oh, le marteau de Thor, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, même si je suis pas fan des Avengers. C'est plutôt bien fait en tout cas. Ça ressemble vraiment à l'original. Moi, j'aime bien. Alors, on va regarder la liste et je vais vous dire ce que je préfère. Vous avez aussi des rares, des ultra rares et compagnie, des golds, il me semble. Alors, voici les golds ultra rares. Je suis pas super fan, moi, des golds parce que ça fait moins réaliste. Par contre, ça, je suis trop fan. Le Buzz l'éclair, je l'ai, l'original. La bergère aussi. Woody et Jessie, je les ai aussi, ces deux-là. Ensuite, vous avez les Marvel. Ah! Le Stitch, je crois que je l'ai celui-là, avec sa planche de surf. Ça, j'aime beaucoup. Vous avez Alice, que j'aimerais. Minnie. Le bébé Yoda est sympa. Alors ici, encore du Star Wars. Par contre, ça, j'aimerais trop. Enfin, celle-ci, je l'ai. Ça aussi, les poupées classiques. Trop fan. Le sac shopping est très sympa. Voici, je vous en ai parlé, les présentoirs, les étagères, les sacs shopping. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon, c'est pas terminé, il m'en reste encore. Il m'en reste encore deux. Oh punaise, trop content, nous avons Woody. En plus, je l'ai, l'original. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne. C'est super détaillé, je suis tellement fan. Waouh. Bon, bah, j'ai hâte de faire une étagère spéciale Disney Store dans mon magasin. Et il reste encore une surprise. Un téléphone mini. Cool. Oh, c'est pas mal ça. Waouh. Assez détaillé aussi. J'aime bien regarder les illustrations. L'arrière. On a Daisy. C'est trop bien fait. Alors moi, ce que j'ai préféré, j'hésite entre ces deux-là. Peut-être Woody, je le trouve super bien fait. Allez, on continue. Alors, première. Alors, c'est Mickey. Oh, la cuisinière. La dinette. Oh. Bon, la boîte est vide, hein. C'est juste un carton, mais c'est sympa. Surtout exposé. Voilà, et il y a vraiment beaucoup de détails, hein. Même le dessous de la boîte est imprimé. Donc, c'est très cool. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Encore du Marvel. Avec Black Widow. Bon, c'est bien fait, hein. Ça fera classe dans le magasin, je sais, mais c'est vraiment pas du tout mon univers, malheureusement. Voilà. On va la mettre à côté de Captain Marvel. J'allais dire Captain Planet.
Je pense pas que vous connaissez. Oh non, c'est pas vrai, c'est encore du Marvel. Oh, Spider-Man. Le masque. Bah c'est... Ouais, c'est super bien fait aussi. Ouais. On sent la déception dans ma voix, je pense. C'est vrai, là, je vais avoir beaucoup de Marvel. Hein. Ah, poupée classique Elsa, la Reine des Neiges. Waouh, elle est trop bien faite. Pour la taille. Regardez-moi la boîte. J'adore. Trop, trop fan. Pour l'instant, pas de sac shopping. On n'a pas de d'étagère. Star Wars. Oh, on n'en avait pas vu du Star Wars avec Dark Vador. Ouais. Bon, bah, c'est bien fait. Hein. Je n'aime pas Star Wars, je suis désolé. Oh. Mais c'est bien fait. C'est une jolie boîte. Je vais le mettre en dernier. Allez, c'est parti. J'espère avoir de la chance. J'aimerais avoir une étagère aussi. Un sac shopping, pourquoi pas. Oh, Ariel, Animators, trop bien. Ah bah ça, je suis content d'avoir ça. Elle est trop bien faite. C'est marrant, le petit polochon, c'est juste un petit papy. Normalement, c'est une peluche. Puis ils l'ont collé sur la boîte. Ah bah c'est comme le petit Olaf, je l'avais même pas vu. En tout cas, ouais, trop sympa. Moi, j'aime beaucoup là, les Animators. Puis ça rend bien de loin, là, on aurait dit des vraies poupées. Star Wars, un nouveau. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah, c'est R2-D2. Ah! Ah bah celui-là j'ai déjà vu en vrai, mais c'était pas mon achat bien entendu. Belle boîte. Voilà, bon bah c'est bien fait, c'est joli, ma figurine au fond. La bête. Waouh. Oh ah, j'adore. Ah bah ça je suis trop trop fan. Deuxième poupée classique. Une autre poupée classique très très bien avec Aurore, la belle au bois dormant. Elle a une drôle de tête, elle par contre un peu moins bien faite. J'ai l'impression que la robe elle est en tissu, mais ils ont mis des motifs, c'est bien fait. Les boîtes sont très jolies. Ah bah là j'adore, hein. J'ai l'impression que ce sont. Ah non, c'est un... Oh non, Dark Vador. Dark Vador, non. Un double. Allez, c'est parti. Oh, c'est dur à ouvrir celui-là. J'ai peur, Marvel, Avenger, c'est l'arc d'Okai. Ah, je connais les noms parce que j'avais vu. Oh ouais, c'est pas mal hein, l'idée quand même. Ah ouais, mais pour caser ça dans mes rayons, c'est assez haut. Ouais, ça ferait l'affaire. Peut-être près de la caisse. Vous voyez, ah, vous voyez pas, mais il y a un espace près de ma caisse. J'ai essayé de faire une étagère de Marvel. Tiens, bon, voilà. On va être à côté du marteau. Ah, oh, punaise, un rare. J'ai le téléphone ultra rare de Mini. Bah, c'est cool. Donc, c'est juste qu'il, bah, qu'il est doré. Mais bon, comme c'est rare, je crois que j'en avais jamais eu dans toutes mes ouvertures de 5 Surprise Mini Brands. La dinette. Oh, ça, franchement, l'avoir en double, c'est pas tip top. Génial. Ah, bah, c'est super, Jessie. Waouh, bah super, Woody et Jessie. Et celle-ci, je l'ai en taille réelle. Buzz, bon bah du Toy Story, je suis super content. Super. Et celui-là, je l'ai en vrai, donc c'est cool. Bon bah j'ai hâte de faire l'étagère de Toy Story. Oh, ah, c'est la notice. Allez, c'est parti. Oh, c'est caché. Ah, princesse Leia, bon. Star Wars, Toy Box. Bon, elle est bien, hein. Elle a réussi. Et ça m'en fait, hein, du Star Wars, là, c'est 4. Oh non, encore. Ah bah, encore une rare. Bah, c'est pas si rare, j'en ai 2. Ok. Ah non, Spider-Man. Bon, c'est bien, c'est pas un double. Ah, il est bien fait. Pourquoi ils ont racheté Marvel et Star Wars, Disney? Pourquoi?
Oh punaise! Ah non, là ça finit bien avec fée clochette. Trop mimi! Ah, je suis trop fan d'Animators. Ouais, il y en a trois. Hop, vous la voyez pas, elle est là. C'est parti, on y va avec encore du Spider-Man, encore un masque. Oh, ok, on continue, on continue. Oh bah alors là, vous avez raté. C'est l'alien de Toy Story. Yes, super. Bon bah j'espère que j'aurai tous les produits de Toy Story. Il manque la bergère, il me semble. Magnifique ça. Waouh. Une aurore en double, ça me dérange moi, car je préfère avoir ça qu'un Marvel ou un Star Wars. Comme ça, je peux mettre dans le rayon. Hein. Toujours plusieurs exemplaires dans un magasin. Oh, Star Wars. Bon, c'est un nouveau. Oh, doré, un rare. Ok. C'est un Stand Trooper, hein, c'est ça. Je suis pas fan, mais là, je vois pas si c'est ça. Je vois pas son nom. Bon, ça doit être ça. Stand Trooper ou Sand Trooper. Non, oui, c'est Stand Trooper. Oh non, encore ça. Mais c'est pas vrai. Trois. Allez, c'est parti. J'ai mieux rangé derrière, comme ça, vous voyez un peu mieux. On les voit pas tous, par contre. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Let's go. Oh, bah, trop bien. Je complète, je pense, Toy Story. Je regarderai après s'il en reste. Mais je crois pas. Voilà, la bergère. Et celle-ci, je l'ai aussi en vrai. Voilà. Ah, il y a peut-être Zorg. Il en manque pas mal. Et aussi celle-ci. Et celle-ci. Et voilà. Il m'en manque deux. Trop bien. On a Flynn. Eugène Flynn. Cool. Dommage que j'ai pas réponse. C'est quoi ça? C'est bébé Yoda ou c'est Yoda? C'est bébé Yoda. C'est trop bien fait le snack. C'est magnifique. Ah, je suis pas fan de Star Wars, mais ça j'adore. Il est super réussi. Allez, on le met là. Ah, encore Star Wars. Et là, on a C3PO. Elle est bien faite. Bon, j'aurai toute la collection Star Wars si ça continue. Aïe, j'ai peur, oui, c'est l'arc. Non! Reine des Neiges, mince, c'est Elsa. Ah non, c'est Cendrillon. Pourquoi j'ai la Reine des Neiges? Parce que c'est bleu. Génial, une nouvelle poupée classique. Ça, je suis trop content. Bon, il y en a pas mal, hein. J'aurais peut-être pas tout aujourd'hui. Anna, en double. Bon, Star Wars, un vaisseau en boîte cartonnée. J'aime pas du tout. Ah oui, c'est Toy Box qui faisait ça. Et là, vous avez pas des vraies figurines. C'est juste une impression. Toujours pas de sac de shopping. Toujours pas d'étagère. Par contre, en double. R2-D2. On va le mettre en arrière-plan. Belle. Génial. Ah non, c'est la bête. Mince. Oh, chou. Bon, j'ai encore rangé de nouveau en arrière-plan. On voit beaucoup mieux. Non! Ah, décidément, je vais détester encore plus Marvel. Hein. Ou Spider-Man ou Captain Marvel. Elle, trois fois. Oh, au secours. Oh, c'est quoi? Oh, un masque trois fois. Un triple? Bon, je t'adore, mais en triple. Et c'est que des trois fois, là. Et une dernière. J'espère avoir de la chance pour la dernière. Je te déteste. Quatre fois celle-ci. Non! Allez. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Ouais, bah, j'avais raison d'avoir peur. Bon, bah, le masque, hein, c'est officiel, je le déteste. Quatre fois. Oh là 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 là. Oh là là, ça va pas du tout. Hein. Ah, Woody en double. Je préfère largement. Bon bah toi, 4 fois. Punaise, 5 fois ce truc horrible, juste le carton d'une dinette.
Un rare que j'ai déjà eu, c'est pas si rare, je trouve, et c'est Star Wars. Ok. Je stresse, les amis. Il me reste 2 boules seulement. Aïe, aïe, aïe. Bon, je t'aime beaucoup, hein, mais j'étais en triple. Punaise, je te déteste, R2-D2. Je t'ai déjà en 2 fois, 3 maintenant. Non. Allez, hop, en arrière-plan. Je te déteste pas, réponse. Je l'avais pas reconnue, je l'ai prise pour Aurore. Je suis désolé. Trop content. En plus, j'ai une réponse animétance. Génial, elle va être contente. Elle va avoir son chéri et elle. Elsa est super bien faite. Bon, toi, je te déteste. Hein. C'est officiel. Captain Marvel. Je ne regarderai jamais le film. Ensuite, il en reste un seul. Paladinette. Un Spider-Man doré. Ah bah celui-là je l'ai pas. J'ai le Spider-Man normal. Ok bah cool. C'est un rare. C'est parti les 5 dernières surprises. En espérant avoir beaucoup de chance pour une fois. Je le sens pas ça. Je le sens pas. Ah bah oui. Et puis je l'ai déjà eu hein. Bah oui. C'est 3 PO. Il reste plus que 4. Allez. Oh. Alors là. Je suis très content. Bon bah ça je suis trop heureux d'avoir un Pixar, Toy Story, mon Pixar préféré. En plus il est trop bien fait. Ah ouais là c'est cool. Pour finir, ça va vite. Elsa. Bon bah, ça va Elsa parce qu'elle est bien faite. La valeur. Mais arrêtez avec vos Star Wars double. Il m'en reste plus qu'un, c'est ça? Plus qu'un les amis. Oh là là, puis après je devrais faire plein d'étagères comme je vais pas être prince en toi. No. Alors toi, je t'aime bien Anna, mais c'est 4e Anna, hein, c'est ça? Non. Bon, les amis, je vais tout ranger, vous allez visiter la mise à jour de mon magasin. Voilà, je vous montre ce que j'ai rajouté comme étagère. Alors ici au fond, près de la caisse, alors ça sera plus la caisse va aller ici, en dessous de l'écran. Alors j'ai mis à l'étage d'au-dessus les Animators ainsi que le petit rayon Toy Story avec un poster de la bergère. En dessous j'ai mis les poupées classiques. Et là j'ai mis la dinette de Mickey. Voilà. J'ai rajouté les téléphones en haut de l'écran. Alors j'ai personnalisé la caisse avec Marvel et Star Wars, hein, même si je suis pas fan, j'ai fait un truc quand même, un petit concept sympa. Donc ici, j'ai mis surtout Avengers, Marvel, et en bas, j'ai mis Star Wars. Voilà, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de mon réaménagement, de mon magasin de jouets. Alors la caisse, je pense, la mettre comme cela. Alors j'ai retiré ça, le petit présentoir. Après, on peut le mettre peut-être sur le côté ici. Voilà, j'ai retiré des éléments comme ça. J'ai retiré aussi le bac de solde, voilà, parce que ça prend de la place. Après, je pourrais bien le remettre au milieu ici. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donnera. Ouais, oui, on peut mettre ça là. La réponse est cachée. Oh, c'est assez étroit. Mais c'est pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre coup de cœur dans les objets 5 Surprise? Moi, si je devais choisir, ce serait assez compliqué. Mais je pense les objets Toy Story. Ils sont vraiment magnifiques. Je vais mettre les photos sur Instagram comme d'habitude. Et on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et je vous prépare encore des nouvelles ouvertures de Booster 5 Surprise Mini Brands. À bientôt. We'll be right back.
Ouh.